Avant de passer à l'épisode numéro 3, on va faire un petit rappel de l'épisode précédent. Alors, comme vous voyez sur l'image, Paco a l'air triste. Il dit à Mona qu'il ne pourra plus défiler car il a perdu son costume de cosmonaute. Alors maintenant, on va passer à l'épisode suivant. Mona mène l'enquête, l'épisode 3. Alors, les personnages de l'histoire sont Mona, Paco et Malo. Ils sont toujours dans la chambre à coucher de Paco. Mona inspecte la penderie de Paco. Elle mène l'enquête pour trouver le costume de Paco. Le chat Malo est caché sous le pull vert de Paco. Paco gratte la tête, il réfléchit et il se rappelle de quelque chose. Alors, les habits de Paco sont toujours en désordre sur le sol. Le père de Paco vient juste de rentrer de la gare. Il n'a rien vu et rien entendu. Sa maman est dans le garage. Elle est en train de réparer le guidon de son vélo. Elle aussi n'a rien remarqué. La gardienne Marguerite prépare un gâteau. La gardienne, c'est la personne qui assure et qui fait la garde. Elle s'appelle Marguerite. Elle non plus n'a rien vu. Mona a trouvé une gomme, un gant et une bague. Le gant et la gomme appartiennent à Paco et la bague non. Paco se rappelle, la bague appartient à Garance, sa voisine qui habite à côté et qui joue tout le temps de la guitare. Mona conclut qu'elle a trouvé une piste.